Salut, on est dans les monts d'Arrée. Voilà, j'ai ce micro parce qu'il y a beaucoup de vent. On va essayer de faire voler le drone Zino. Vous reconnaissez derrière moi le mont Saint-Michel de Brasparts. Allez, on y va. Allez, on va essayer de passer au-dessus du mont Saint-Michel de Brasparts. J'entends, c'est bon, oui, c'est là. Alors voilà, on vient de battre notre record de mètres avec le drone Zino. 911 mètres jusque là-bas, jusqu'au Mont Saint-Michel de Brasparts. C'est pas mal. Et les gens, ils ont dû être étonnés, vraiment. En plus, avec le vent qu'on avait, je dois dire que quand même que le drone Zino, c'est quand même un drone puissant. Même si je sais que certains vont à 4 km de distance, pour le prix, le drone Zino, il a fait son travail. On te voit pas ? Non. On te voit. Voilà un autre spot pour le Zino, le roc Trévezel, du côté du roc du Trait du Don. Là, il est 19h, 19h passé même. Waouh! Wow. Les hélices fluo pour repérage, pour pas grand chose au final. Avant arrière. Tiens, là j'aurais dû mettre les deux en fait. Bon bah de toute façon je vais pas aller bien loin avec ça. Tu trouves pas ça chiant? Il faut rappuyer sur oui, c'est pas évident avec le pouce. C'est hein. Une sécurité pour moi, c'est une sécurité. Ouais, mais c'est pas évident parce qu'imagine t'es en train de manipuler, il vaut mieux demander deux fois parce que tu sais pas ce que tu peux faire comme manip. Et tout seul c'est chiant. Ouais, tout seul c'est chiant. En fait, normalement on est censé avoir une bouillère, une lanière, on l'aurait sur nous la télécommande. Ah ouais, ok. Et ouais, c'est chiant. Là j'ai un signal GPS faible, donc j'attends qu'il soit clair.
Ah, c'est bon. Il est clair. Ready to fly. On va y aller. Avant, quand je paumais, j'étais fou, je regardais le paysage. Alors que ouais, j'ai une boussole.